Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi, mais toujours de ce qu'on aime. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, puisqu'on accueille aujourd'hui quelqu'un qui fait quelque chose qui me tient vraiment à cœur. En effet, nous retrouvons encore un de mes anciens camarades de lycée, mais aujourd'hui, c'est dans la personne de Rémi Robert que mon admiration s'exprime. Ce jeune homme d'une trentaine d'années a sorti un roman il y a quelques semaines, son premier, dont il va nous parler. Il est accompagné de Johan, qui l'accompagne dans la démarche éditoriale et promotionnelle de ce bouquin. Comment ça va, les gars? Bah, ça va, tranquille. Ça va top. Merci de nous accueillir, en tout cas. Ça fait plaisir. Un plaisir. Merci. Et puisque les semaines dernières il était absent et que j'ai reçu full de messages pour savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, a-t-il quitté le projet, est-il malade, nous a-t-il laissé pour d'autres horizons, en tout cas il vous a manqué énormément. Aujourd'hui nous fêtons le retour de Kik dans l'émission qui vogue sur une nouvelle mer arborant des voiles noires accrochées à un gouvernail suivant inlassablement le cap de la réussite, et il nous fait le plaisir de se joindre à nous aujourd'hui accompagné d'une de ses redoutables chroniques. Comment ça va, Kik? Mais ça va, et toi? Bah, ça va, ça fait combien de temps là que t'avais pas enregistré? Ça fait bien un mois. Ouais, c'est ça, hein. Un mois, ouais. Bah, depuis que j'ai repris le boulot, en fait. Depuis que t'as repris le boulot, ouais. T'as attaqué à travailler dans un bar, le Black Pearl, on peut en parler, hein, on peut le dire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, comment ça se passe? Ça se passe à fond. Ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Nouvelle vie. Ouais. Ça sert des bières à mort. Ouais, des bières à mort. Ça danse. De la bouffe et tout, c'est cool. Ça danse sur les tables un petit peu le samedi soir. Ouais, ouais. Affublé de robes. Il paraît qu'il y a des gens qui montent sur les tables. Ouais. Ouais. On dira pas qui c'est. Mais... Non, on dira pas de nom. C'est pas lui. Mais en tout cas, on les salue, ceux qui montent sur les tables. Ils adorent ça. Pour se mettre en jambe, donc tranquillement, la première partie, j'ai changé un petit peu des infos insolites, j'ai préparé des petits jeux. Le premier, c'est un peu les trucs, vu qu'on reçoit un auteur, un écrivain, c'est un petit peu des anecdotes assez rigolotes sur quelques écrivains que j'ai concoctés. La première, est-ce que vous sauriez deviner qui a inventé le mot swag? Ah, c'est une très bonne question. C'est un auteur bien connu. Pour moi, c'est américain à la base, donc. Ouais, non, c'est pas américain. Enfin, en tout cas, c'est pas un auteur américain, c'est un auteur anglais. Connu? Wow, plus que connu. Ah ouais? À la base de l'écriture anglaise. Alors là, je peux pas dire, franchement. Le dramaturge par excellence. L'anglais, c'est la langue de. Shakespeare. Exactement, c'est Shakespeare qui a inventé le mot swag. Qui... Pardon. Tout swag. Au début, je voulais dire Stephen King. Je me suis dit, ouais, c'est quand même trop vieux, mais okay. Non, c'est Shakespeare, ouais, c'est swag qui veut dire fanfaronner dans la langue de Shakespeare. Quel est le premier écrivain à être devenu milliardaire de son écriture? J.K. Rowling, je dis. Exactement, ouais. C'est J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, ouais. qui de son vivant est devenu plus riche que la famille royale d'Angleterre. Ce qui est quand même, ça vaut le coup, une prestation qu'on peut saluer, je pense. Surtout comme elle était avant. Ouais. Oui, c'est qu'elle a attaqué à écrire dans un café parce qu'elle avait pas de quoi chauffer son appart, donc elle écrivait dans un café parce qu'il faisait pas trop froid, quoi. Donc c'est quand même, il y a un gros glow-up, comme disent les jeunes. Carrément. J.R.R. Tolkien, vous connaissez, oui. L'auteur du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, entre autres, usurpait l'identité d'un personnage fictif pour faire plaisir à ses petits-enfants. Est-ce que vous saurez deviner de qui il s'agissait? Quand même, il faisait Père Noël. Exactement. Let's go. Il écrivait des lettres à la manière du Père Noël, avec une écriture un petit peu tremblotante, où il racontait son quotidien de créateur de jouets. Trop bien, ouais. C'est génial. Ouais, très bonne idée. Ouais, c'est clair. Être un des premiers à avoir démocratisé à ce point-là le mythe du Père Noël. Marcel Proust, ça vous dit quelque chose? Oui. Il est mort d'une façon un petit peu particulière. Est-ce que vous sauriez deviner comment? Je l'ai pas, celle-là. Non. Du tout. Du tout. C'est un rapport avec son métier. Je sais pas. Non, il avait chopé une fièvre de cheval en fait, et tous les médecins lui ont dit de se reposer, mais vu qu'il était presque à la fin de son roman, il s'est dit quand même, je vais peut-être pouvoir le finir, et du coup il est mort en faisant la correction de l'avant-dernier roman de... Ah oui. À la recherche du trésor perdu, une saga qui ne verra pas de fin. Alors qu'il avait qu'à prendre du paracétamol et dormir pendant une semaine, quoi. Mais bon, que veux-tu, quand on est un créateur, on ne s'en arrête pas là. C'est sûr. Victor Hugo a vu de son vivant l'arrivée des rues portant son nom, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais il lui est arrivé quelque chose d'un peu particulier lors de la première nomination de la rue Victor Hugo à Paris. Vous savez deviner ce que c'est? Une faute d'orthographe? Non, non, non. Non. Alors, c'est la rue a été renommée une semaine avant qu'il déménage.
si ça peut vous aider. Problème avec son nom et nom de la rue. Ouais, c'est ça. En fait, il a des papiers et tout, ça il a déménagé dans la rue Victor Hugo. Ah oui, elle a changé de nom au moment où il a déménagé et du coup ça a créé un petit cafouillage administratif qui fait qu'il a bien galéré à s'en sortir. On salue Victor Hugo. Qui, pour la petite anecdote, la rue Victor Hugo, c'est le nom de rue le plus donné en France. Ok. Voilà. Ah, je savais pas, tu vois. Prépare un deuxième petit jeu. C'est en fait, j'ai réécrit des histoires. En les prenant d'une autre manière que celle dont elles ont été écrites, et vous devez retrouver de quelle histoire ça vient. J'ai été clair, pas du tout? Oui, t'as été clair. Super. T'as été clair. Alors, vivant des aides sociales, il n'arrive pas à s'intégrer dans la société dans laquelle il évolue. Stigmatisé pour sa différence, notre héros réussira malgré tout à rentrer dans ce système presque communiste en faisant de sa différence un atout. Au début, on pensait tous que c'était parce que justement, c'était le prix de l'effort qui était mis en avant, mais très vite, on s'est rendu compte que, en fait, le père du héros avait été politiquement très actif et qu'en fait, c'est en tant que descendant d'un demi-dieu que notre héros révélera sa véritable force. Ah ah. C'est un moi j'ai la fin animé. Mais ça correspond pas par rapport au début, pas du tout, donc c'est pas un... du tout ça. C'est un animé. Un animé. C'est pas un film. C'est une série. C'est une série animée? Ouais. Et quel genre de super c'est... pouvoir il peut avoir? Ah bah ça c'est... J'allais dire Hercule? Non, pas du tout. Pas du tout, voyez plutôt du côté japonais. Ah, on part au Japon? On part au Japon. On est au Japon, un héros qui vit dans une société presque communiste, qui au début est stigmatisé, mais en fait son père a été chef de cette communauté. C'est pas Avatar? Non. Moi je dirais One Piece, mais au pif. Non, pas du tout. C'est pas loin de One Piece, hein, c'est dans ce genre de dans cette ligne-là. C'est Naruto. Ouais. Ah, effectivement, Naruto, donc au début, qui est orphelin, donc qui vit des aides sociales, qui a du mal à s'intégrer dans sa société. Stigmatisé pour sa différence, parce qu'il porte un démon à l'intérieur de lui, notre héros réussira malgré tout à rentrer dans ce système. Et même si au début on croit que c'est grâce à la force de sa volonté, en fait on se rend compte que son père était Hokage, et qu'il est lui-même le descendant d'un demi-dieu, etc., etc. Trop bien. Ouais, grave. Victime d'un habile jeu politique, un jeune homme héritier d'une grande nation se retrouve mis sur la touche. Dans l'incompréhension de ce qui lui est arrivé, il préfère alors se lever dans les plaisirs épicuriens de la vie, plutôt que d'affronter ses propres réalités. Ce n'est qu'après avoir recroisé une ancienne connaissance qu'il reprendra conscience de ce qu'il a abandonné. Cette déchirante histoire de famille semble tout droit adaptée d'une des œuvres de Shakespeare. C'est un film Disney. La Belle et le Clochard. Non. La Belle et la Bête. Non. Il n'y a pas de belle. Pas de bête, non. La Belle 5. La Belle Rouge, le poulet. Cendrillon. Non, pas du tout. Un héritier au trône qui abandonne sa position. Après avoir été victime d'un habile géopolitique de la part de son oncle. Le roi lion, exactement. Ah ok, ouais, d'accord. Et oui, il va se lever dans les plaisirs de la vie épicurien avec Timon et Pumba en mangeant des escargots et autres bestioles. Ok, jusqu'à ce qu'il recroise Nala qui lui donne envie de reprendre possession de ses terres. La prochaine n'est pas facile, je vous le dis tout de suite. Vraiment. On est prêt. N'est pas facile. Lassé par son travail, il est proche du burn-out. Il est pourtant l'un des meilleurs dans sa catégorie, mais il ne se retrouve plus dans sa vie professionnelle. Sa quête de sens va l'emmener à enfreindre toutes les règles qui régissent son monde et le pousseront même à révolutionner la façon dont il fonctionne. Malheureusement, pour en arriver là, il va devoir se séparer de la seule personne qui avait su le considérer comme il était vraiment. Fight Club? Non, pas du tout. C'est encore un dessin animé Pixar, là, ce coup-ci. Je pense. Wow. Tu penses? Oui, je pense que c'est plus ça. Il me semble que c'est Pixar. Ça m'a fait penser au loup de Wall Street au début. Non, pas du tout. Pourquoi pas, ceci dit. Un Pixar, ouais. Ou c'est un gars qui a une entreprise. C'est un mec qui bosse dans une entreprise. Ok. Grosse entreprise, même. Et il en a un peu marre de son boulot. Alors... Oh putain, dis-moi pas que c'est le monde de Ralph. Non. Non, c'est pas les mondes de Ralph. Il est... Le personnage principal est toujours. Il a un pote avec lui.
Ils sont deux, ils sont un petit binôme, tu sais. Oh putain, c'est Monstres et Compagnie. C'est Monstres et Compagnie, exactement. C'est ça, tout à fait. Non, en plus, ouais, on a à chaque fois à des êtres humains, quoi. Là, c'est un truc de fou, moi j'étais en train d'imaginer les êtres humains. Par son travail, Sully, donc, et pourtant elle est des meilleures de sa catégorie, mais il ne se retrouve plus dans sa vie professionnelle. Sa quête de sens va l'emmener à enfreindre toutes les règles qui régissent son monde, puisqu'il va se lier d'amitié avec Boo, une enfant qu'on n'a pas le droit normalement de fréquenter. Il poussera même à révolutionner la façon dont son monde fonctionne, puisqu'il va transformer la collecte des peurs en collecte des rires des enfants. Malheureusement, pour en arriver là, il va devoir se séparer de Boo à la fin du film. Pour qu'elle puisse vivre sa vie. On continue dans les dessins animés, parce que c'est pas mal, j'en ai pas mal en fait. Amoureuse d'un arriviste aristocrate qui en a après son argent, notre héroïne ne peut s'épanouir en amour tant qu'elle n'aura pas retrouvé sa sœur. Malheureusement, celle-ci cache un terrible secret depuis son enfance. Peut-être elle-même, sa grande sœur, n'a eu d'autre choix que de s'exiler loin du carcan familial qui voulait entériner ce terrible secret. Notre héroïne cheminera alors aux côtés d'un homme beaucoup plus modeste, mais au cœur vaillant et sympathique. Et si l'amour ne se cachait pas là où il semblait être. Je te laisse réfléchir, mais je crois que je l'ai. Ouais, tu l'as ? Ouais, je pense aussi, je suis pas sûr. Je dirais Aladdin. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est l'histoire de sœur hein, qui m'a mis sur le système. Ah oui, bah ça aide, hein, ça aide. C'est, Moi je pensais à Jasmine, éventuellement sa sœur, mais vu qu'on la voit pas dans le. Sœur, ouais. Jafar peut-être. Jafar. Je suis coincé. Non, c'était donc Mathis. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges, ah, exactement. Ouais, libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. Ah oui, tiens, c'est l'histoire d'un casse pas comme les autres, où une équipe de spécialistes préparés depuis plusieurs années va se trouver obligée de collaborer avec un débutant. Un débutant, celui-ci se révélera alors être une pièce maîtresse de ce petit groupe. On n'est pas du tout dans un dessin animé ce coup-ci, on est vraiment dans un film. Ah ouais. On est sur des films, une série de films. Une saga même, comme disent les... Trois films. Bon, la italienne. Non. Trois films. C'est dans un énorme univers. Oui, un univers étendu même, j'ai envie de dire. Mais c'est dans un univers fantastique ou un... Oui, univers... c'est un univers complètement fantastique. Ah... Putain, c'est pas possible. On bloque sur tout. On est désolé. Tu l'as, toi ? On n'a pas l'habitude en plus, hein, franchement. Il est pas facile ce jeu. C'est tout simplement donc l'équipe de spécialistes préparée depuis des années. C'est une équipe de nains qui vont devoir collaborer avec un débutant qui est un hobbit. C'est l'histoire du hobbit, tout simplement. Qui doit aller récupérer le cœur de la montagne. J'ai jamais vu ça ? Non, le hobbit ? Du tout. C'est vrai ? Non, j'ai pas vu, ouais. Ok, c'est très bien. Si je peux me, après, par rapport, si je peux me permettre. Là, on va taper dans film des années 90, film d'action. Tu sais, ces films des années 90, là, américains, avec une grande morale à la fin. Spécialistes dans leur domaine, ils font le jeu des puissants, déterrant des ressources inestimables à longueur de journée. Mais la Terre est en danger, et seul leur savoir-faire pourra la sauver. C'est l'histoire d'un homme qui accomplit son destin et qui laisse. Armageddon. Ouais, exactement. Bien joué. Armageddon, effectivement, avec Bruce Willis et Ben Affleck, de mémoire. Si je dis pas de bêtises, mais des fois je dis des bêtises aussi. Une dernière un peu plus touchy, on va voir si elle passe ou pas. Raillé par son peuple, notre héros amphibien fera la rencontre de deux puissants aventuriers à qui il ouvrira les portes de son royaume. Il se liera d'amitié avec l'apprenti de ces aventuriers et les suivra dans leurs aventures. Tantôt héros de guerre, tantôt diplomate, notre ami va devoir endosser bien des rôles pour tirer son épingle du jeu politique mis en place. C'est avec une éloquence rare qu'il réussira à faire voter. Percy Jackson. Non. Qu'il réussira à faire voter la loi la plus importante que la République ait jamais connue. En fait, je me suis centré sur un autre personnage qui n'est pas le personnage principal, mais du coup, je l'ai raconté de son point de vue. Waouh! Série de films, de plusieurs films, avec une République au centre. Star Wars, exactement. C'est ça. C'était l'histoire de Jar Jar Binks. Qui rencontre donc les deux Jedi et qui ouvre le royaume. Il se lie d'amitié avec Anakin, tantôt héros de guerre quand il sauve ses camarades, tantôt diplomate. Et ben, c'est lui qui fait voter la loi de dissolution de la République, la mise en place de l'Empire. Trop
trop bien, j'adore ce jeu. Ouais, ouais, très bien tourné. Ouais. Et puis en plus, c'est pas évident parce que c'est vrai que ça dérive un petit peu. Non, donc, c'est pas facile. Mais c'est surtout, général, c'est ça qui tu vois, typiquement, genre, tu vois, Monstre et compagnie, ça commence par lassé par son travail et proche du burn-out. Alors, c'est assez dur d'aller s'imaginer que c'est un monstre à fourrure. Tu oui, vois, c'est complètement, un peu le but de ce truc là. Mathis, tu nous as préparé quelque chose? Bien sûr. Allez, on adore ça. Let's go. Allez. Alors du coup, c'est un jeu, c'est un vrai faux en fait. Je vais vous donner quatre phrases. Il faut savoir si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Il faut juste faire gaffe. D'accord. Je les tourne d'une manière où c'est compliqué de savoir. Il y a des négations et tout, c'est horrible. Des doubles négations. Voilà, il y a des doubles négations. Faites attention. Vous êtes prêts? Ouais. Ah, c'est parti. Alors, il est impossible de se marier avec soi-même. Il est possible de se noyer hors de l'eau. Il faut 7 ans pour digérer un chewing-gum. Et la dernière, on ne peut pas endormir quelqu'un avec du chloroforme. C'est la dernière. Prends ton temps, réfléchis un peu. Réfléchis un petit peu. Pour moi, la dernière, elle est vraie. T'sais. Genre, faut trouver laquelle est vraie ou trouver laquelle est fausse. Faut trouver la vraie. Alors, déjà, on peut se noyer sans être dans l'eau, ça c'est sûr et certain. Tu peux te noyer dans de l'huile, tu vois. C'est clair. Dans n'importe quel liquide. Oui, non, mais tu peux te. Il est possible de se noyer hors d'un liquide. Ah. Si tu préfères. Ah, bah dans ce cas-là, ça change tout. Parce que du coup, moi, je prends celle-ci. Oui, alors là. D'accord. Le chewing-gum 7 ans, ça me paraît pas mal, moi. Ça me paraît vrai. Il faut trouver la vraie, hein. Faut trouver la vraie, putain. Ouais. Ouais, parce que du coup, tu étais parti sur la vraie, mais en fait, elle sent tout ouvrir en nous. Tu t'es trompé, Mathis. Ok. Le chewing-gum 7 ans. Et la première, c'était quoi déjà? C'est impossible de se marier avec soi-même. Ça, c'est possible. Il est possible de se marier avec soi-même. Ouais, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui l'a fait, j'en ai entendu parler de ça. Ça, c'est sûr. De se noyer, c'est. Ouais, pour moi, se noyer, c'est. Moi, je dirais que c'est vrai. C'était faux, donc pardon, je veux dire que le chewing-gum, pour moi, ça pourrait être vrai. Ouais, je vais partir sur le chewing-gum. Ouais, le chewing-gum, ça pourrait être vrai. Bon, pour moi, c'est le chloroforme. Vous avez faux, tous. Ah, putain. Il était impossible de se noyer ailleurs que dans du liquide. Si, il est possible de se noyer hors d'un liquide. Ah oui. Comment? Voilà, alors tu peux te noyer plusieurs jours après avoir bu la tasse si de l'eau reste coincée dans tes poumons. Ah, chien, c'est pas vraiment donc. C'est technique celle-là. Ah, ouais. Mais c'est hyper chaud. C'est chaud. Ensuite, il est totalement possible de se marier avec soi-même. Jérém Star en est la preuve. Mais non, il est marié avec lui-même. Et, ouais, il est marié avec lui-même. L'ancien. Jérém Star. Il n'arrêtera jamais de nous étonner, cet homme-là. Il faut pas du tout 7 ans pour digérer. C'est un seul homme qui a de bail. Ah bon? Bon, ça sort instantanément. Ça expulse et tout, qu'il peut pas digérer. Ah, d'accord. Ouais. Ah ouais, d'accord. Tu peux endormir quelqu'un avec du chloroforme, mais ça prend genre. Faut pas être pressé. Trop longtemps, c'est ça. Ça met en moyenne 10-20 minutes. Ouais, okay. C'est ça, et c'est pas comme dans Tintin, tu vois, quand il arrive derrière, comme genre. Ça dure 2 secondes. Ouais, non. Ça, ok. Très bien. Super. Une dernière? Bon, bah. Allons-y. La moyenne d'âge des gamers est de 25 ans. Les Russes ne sont pas les plus gros consommateurs de vodka au monde. Les lapins sont des rongeurs. Le baseball est le sport le plus populaire au Japon. Il faut trouver la vraie là. Ouais. Les lapins sont des rongeurs, faut. Ouais. Moi je dirais les Russes. Ah, c'est dur, hein. Après, au Japon, le baseball, c'est populaire, tu vois. Mais est-ce que c'est le plus populaire? Sachant qu'il y a d'autres trucs, genre le judo et tout, tu vois. Il y a sumo. Voilà. Donc, le football, tu vois. Même, tu vois, le basket aussi, c'est hyper populaire au Japon. Alors après, il faut 1m30, du coup, c'est chaud, tu vois. J'ai vu venir. Les lapins sont des rongeurs? Pour moi, ça me semble. Ça semble tellement évident. Ça me semble évident, mais justement, je pense qu'il y a limite un petit piège là-dessus. C'est tu ça vois. Qui peut faire peur. Ouais. Mais bon, d'un côté, moi, je me lance là-dessus, tu vois. Même si je passe pour un con, j'en ai rien à foutre parce que de toute façon, il y a personne qui sait la réponse. Moi, je pars sur les Russes. Les Russes, c'est la Pologne. Les Russes ne sont pas le plus gros consommateur de. Mais ça, je pense que c'est vrai. Toi, tu pars d'autres pays. Ouais. Je pars sur les Russes aussi. Alors, on va le faire dans l'ordre. Ouais. La moyenne d'âge des gamers est de 25, pas du tout, c'est 35 ans. Ouais. Là, vous souriez. Les Russes sont totalement les plus gros consommateurs de vodka au monde. Oh là là, encore une fois déçu par l'Ukraine. 2 milliards de litres par an. Et costaud. Costaud, hein. Je sais pas comment ils font. Les lapins ne sont pas des rongeurs. Ah bon? Ce sont des lagomorphes. Ils n'ont pas tout à fait la même dentition que les vrais rongeurs. Eh bah super, merci. Et le baseball est le sport le plus populaire du Japon. Ah ouais. Devant tout le. Devant le basket. Devant les sumo. Mathis, tu sais. Étonnant. Tu sais, je pense que par rapport justement à la prochaine session, je pense qu'il va falloir qu'on prenne le moins plausible. Je pense que c'est ça en fait. Il nous a sorti des trucs genre où on pense et on se plante et puis derrière il faut choisir la. Et j'en avais que deux. Jusqu'au. Vous en avez pas trois.
Ah là 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 là. On est voilà. Arrivé au bout de ta prestation. C'est cadeau. Eh ben super, merci beaucoup Mathis pour ce petit jeu qui fait au plaisir. Qui fait toujours plaisir. On va passer donc du coup à l'interview ou l'interview invitée. Parce que c'est un petit peu le but quand même de ce podcast quelque part. Donc du coup Rémi Robert, l'homme aux deux prénoms comme on l'appelle, que nous accueillons aujourd'hui avec Johan. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter les gars juste assez succinctement s'il vous plaît? Ok, pas de soucis, tu veux commencer ou je commence? N'importe. Vas-y, bah, allez, je commence. Vas-y. Ok. Bah du coup, moi j'ai 31 ans, donc je m'appelle Rémi Robert comme il a pu le dire Clément. Donc je suis l'auteur de Tilling à la découverte du monde élémentaire. Donc cela n'est pas mon métier, je tiens à le préciser. Sinon voilà, je suis responsable commercial chez Euromaster. Donc voilà, je gère plusieurs départements. Et du coup je suis passionné du fantastique depuis plusieurs années. Même depuis ma naissance on va dire. Je pense que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ça a commencé par Harry Potter, ça a continué par plein d'autres choses. Et puis aujourd'hui je suis un adulte avec un esprit d'enfant. Et du coup je me suis lancé dans cette aventure de okay. l'écriture. Trop bien. Et moi du coup je m'appelle Joanne, j'ai 25 ans et du coup j'aide Mimou au niveau de toute la communication digitale okay. sur son livre. C'est pas du tout mon métier, je suis conseiller de vente en Suisse. D'accord. Et du coup par rapport à mes études, j'avais fait un master de management et de communication, du coup ça s'est déroulé par la suite. Ça va bien quoi. Ok, est-ce que vous pouvez me pitcher le roman s'il vous plaît? Alors le roman du coup c'est un jeune homme donc qui s'appelle Tilling Ampero donc qui a 17 ans donc il va avoir 18 ans. Ouais. Donc ce jeune homme justement est sur une planète qui est purement fantastique, purement sortie de mon imaginaire, c'est le cas de le dire. Okay. Donc c'est la planète Sultani qui est composée de 10 régions et justement le héros principal a quelque chose d'assez mystérieux. Donc il va rentrer à l'école de Cheska. D'accord. Et du coup voilà, la suite bien sûr il faut lire le bouquin pour en savoir plus. Pour en savoir plus, il est important de noter qu'en fait tous les habitants de Sultani, si je me trompe, quasiment tous les habitants de Sultani en tout cas ont ce qu'on pourrait appeler une affiliation élémentaire. Exactement, ça, ouais, c'est ça. En fait, sur la planète, justement, les gens, ils sont capables de maîtriser une ou plusieurs des 6 forces élémentaires présentes. Donc, voilà. Justement, qui sont l'eau, le feu, le vent, la foudre, le métal et la terre. Donc, qui s'extériorisent, par rapport à leur gène puissant. Donc, ils sont capables, justement, de faire des démonstrations élémentaires et puis des attaques et aussi de se défendre ouais. élémentairement. Et justement, toutes les personnes de Sultani ont la possibilité de maîtriser une ou plusieurs des 6 forces élémentaires. Il n'y a pas de personnes qui n'ont croisement. Exactement. C'est ça. Par exemple, des fois, il y en a un, il maîtrise la terre et le feu, par exemple, et du coup, il va maîtriser la lave. Je schématise grosso modo. Exactement. Ce qu'on appelle les volcaniques. Voilà, exactement. Donc, on a les classes singulières, ce qu'on appelle les gens qui maîtrisent qu'une seule force élémentaire. Ouais. Donc, c'est vraiment des gens qui ont une maîtrise totale de cette force-là. Et après, on a les dominants élémentaires, donc qui sont à 70-30% en termes de composition élémentaire. Donc, généralement, ils ont une dominance, donc, comme les volcaniques ou les océaniques avec l'eau et le vent. Donc, ils sont à 70% eau et 30% vent. Et en fait, ces gens-là, justement, évoluent sur une planète où, justement, il y a toute une civilisation, donc, que j'ai pu raconter et que j'ai pu expliquer avec, justement, un système d'éducation, un gouvernement, avec une mise en place des civilisations, des coutumes, après pas spécialement de religion, mais voilà. Trop bien. De toute façon, tout ça, c'est plus ou moins détaillé déjà dans le bouquin. Et puis, tu fais une petite annexe à l'intérieur du bouquin qui permet de bien se référencier à tout ça. À noter que moi, j'ai lu le livre. Je fais partie des gens qui ont eu cette chance parce que je l'ai eu quasiment à la sortie. Moi, j'ai trouvé que le gros point fort du livre, pour moi, en tout cas, ce qui m'a vraiment aidé dans ma lecture, c'est le choix des noms des personnages qui est... très transparent avec leurs fonctions. Je sais pas si j'arrive à m'exprimer clairement. Tu comprends ce que je veux dire, Mathis? Ouais. C'est-à-dire que en fait, rien que quand tu lis le nom des personnages, tu sais déjà plus ou moins quel élément ils maîtrisent. Exactement. Et tu vois tout le champ lexical qui est développé autour de ça, et du coup vachement bien foutu. Moi, je trouve que ça c'est vraiment un des gros points forts, notamment. J'aurais adoré lire ce bouquin quand j'avais 12-13 ans parce que justement les noms que tu choisis, je pense poussent à un enrichissement du vocabulaire qui est assez terrible pour les adolescents. Donc moi, je peux que conseiller. Tu vois, pour les gens qui vont partir en vacances cet été, par exemple, de l'acheter pour leur gamin pour qu'ils puissent lire ça, tu vois, je pense. Tu vois, un bouquin comme ça, quand t'as 13-14 ans, à mon avis, ça doit être un régal à lire. En tout cas, moi, j'aurais aimé l'avoir à cette époque-là, vraiment entre les mains. Voilà, ça, c'est pour moi. Juste ma petite analyse, j'ai envie de dire. Très bien.
Très bien. C'est bon. Très bonne analyse. Est-ce que ça te... Non, je sais pas, t'es d'accord bah, avec ça? Bah, oui, non, mais totalement. Totalement. De toute façon, tu m'avais pu dire. Je te l'avais dit un petit peu. Ton retour, après, voilà, au niveau de l'univers que j'ai pu inventer, il faut savoir que c'est le début d'une longue série parce que du coup, je compte en faire 7. Voilà, donc aujourd'hui, je suis en pleine écriture du deuxième bouquin. Excellent. Donc ça prend un peu de temps. Je sais que voilà les gens ont plutôt aimé l'histoire jusqu'à maintenant par rapport au retour que j'ai pu avoir parce que du coup quand on est capable de me dire ouais il y a pas assez de descriptions, vaut mieux qu'il y en ait pas assez que trop, et dans le sens où ben en fait j'ai envie de lire le 2. Donc c'est principalement les retours que j'ai. C'est exactement ça. Alors moi tu vois moi j'ai émis des bémols comme je t'ai expliqué parce que forcément tu sais t'as des attentes, t'as des idéaux. Moi par exemple j'aurais aimé que ça se finisse sur une scène un petit peu de tension à la fin, ce qui est pas forcément le cas. Ce qui est ni bien ni mauvais, c'est ce que moi j'aurais aimé, mais ça veut pas pour autant dire que c'est nécessaire, tu vois. Mais effectivement, moi à la fin du bouquin, j'avais envie de lire le deuxième à une vitesse phénoménale, quoi. C'était vraiment, vraiment, moi je me suis laissé avoir, je l'ai lu en une demi-journée soirée, et en fait, ouais, on se laisse happer à une vitesse vraiment phénoménale. C'est et justement là ce qui est important de dire, enfin entre la première version, parce qu'en fait ça a été un travail de longue haleine qui a commencé en 2018 et du coup en 2021 j'avais sorti le tout premier tome où justement c'était vraiment, je l'avais sorti auprès de mes proches, donc j'avais 17 exemplaires que j'avais distribués, et en fait j'ai eu les retours, et c'est vrai que au début quand on commence un travail d'écriture et qu'on n'est pas formé pour ça, on a tendance à être un peu dans l'action. Et dans l'action et le dialogue, j'écrivais, c'était que ça, et il y avait aucune phase descriptive. Ça veut dire qu'en gros, il y avait personne qui n'était décrit. En gros, Tilling n'était pas décrit, Magmo, Duro, ses deux meilleurs amis n'étaient pas décrits, et même le monde, on va dire au niveau de l'environnement, je décrivais très peu. Et je me suis rendu compte, et à travers la lecture et à travers justement la rédaction, et dans le 2 justement, je suis en train de développer ça. Ça veut dire vraiment faire exprimer au lecteur juste des détails, mais qui peuvent toucher émotivement. Je veux pas décrire, je sais pas, juste qu'une nappe est froissée. Pour moi, il y a aucun intérêt. Mais par contre, décrire une prairie avec des trèfles à quatre feuilles métalliques qui sont en train de voler et qui viennent se culbuter et qui font un son assez particulier, je trouve que c'est intéressant. Ça apporte quelque chose, voilà. Ouais, exactement. Ça permet de se projeter encore plus dans l'univers et dans la bizarrerie de l'univers, en fait. C'est ça. Ok. Exactement. C'est un truc que tu as fait un petit peu avec les nombreux animaux fantastiques qu'il y a à l'intérieur de ce bouquin. Oh yes. D'ailleurs, je trouve que c'est assez marrant de les imaginer, quoi. C'est quoi? C'est des belettes électriques? Donc il y a un truc comme ça. Belettes électronisées. C'est ça. Serré du chapeau aux cailleuses. C'est assez marrant. Écureuil de givre. Ouais, c'est ça. C'était assez rigolo. Un moule de feu, ouais. Puis enflammé. Après, il y en a pas mal. Escargot à la bas florale. Ouais, après, moi, je les connais tous, mais parce que c'est mon bouquin, mais. C'est vrai que c'est ma vie, hein. c'est mon bébé. Ouais. Comment est-ce qu'on en vient à écrire un bouquin, en fait? Comment tu fais la démarche d'en venir à ce truc-là? Comment est-ce que tu sautes le pas? Bah, cette histoire, elle est assez marrante parce qu'en fait, je suis allé voir une spécialiste, on va dire, parce que du coup, je suis hyper actif. Et du coup, je suis allé la voir par rapport à ça. Et en fait, on a parlé. Elle a vu que j'avais un vocabulaire assez riche et que je parlais assez vite. Ouais. Et elle m'a dit, putain, mais en plus de ça, t'as de l'imagination. Est-ce que t'as déjà pensé à dessiner? Et j'ai fait non, mais je sais pas dessiner. De toute façon, elle m'a dit, est-ce que t'as déjà pensé à écrire? Et du coup, j'ai fait, non, j'ai jamais écrit de ma vie. Elle m'a dit, écoute, la fois prochaine, on se voit dans une semaine et il faut que t'aies écrit 5 pages. D'accord. Et la fois d'après, du coup, je suis revenu avec Tilling, avec l'univers, le début de l'histoire, donc le premier chapitre. Ouais. Juste 5 pages que j'avais écrit à la volée au crayon à papier sur un bout de brouillon. Et du coup, elle m'a dit, ah ok, écoute, j'ai un truc à te dire, c'est que je kiffe l'histoire, je veux que tu continues. Ouais, trop bien. Donc voilà. Donc je c'est comme ça que ça a commencé l'aventure. Okay, c'est sûrement une opportunité, une coïncidence, je sais pas comment on peut le voir, mais en tout cas merci à cette nana. comment tu structures tes séquences d'écriture? Est-ce que tu te donnes des timings, enfin des timers? Est-ce que tu comptes le nombre de mots que t'écris? Comment ça se passe tout ça? Comment est-ce que tu structures ton écriture? Alors la structure n'est pas du tout la même aujourd'hui qu'avant. Tout d'abord, ça veut dire qu'avant j'écrivais au kilomètre et après j'arrangeais mes phrases, je structurais mes phrases correctement. Maintenant je suis plus du tout comme ça. Ça veut dire que j'ai dessiné les chapitres, j'ai fait comme des espèces de synthèses d'écho, ça me rappelle les souvenirs au lycée, et du coup en fait avec les thèmes principaux que je vais développer, et en fait au fur et à mesure que j'avance, je structure directement correctement mes phrases, et du coup en fait j'écris comme ça. Donc avant j'étais plutôt sur du pavé écrit au kilomètre, restructuré par la suite, alors qu'aujourd'hui je dessine et après par contre il faut que ça soit parfait dès que j'ai la phrase dessus. Donc et ça me permet d'ajouter des points de détail
et d'être aussi dans la bonne séquence. Parce qu'aujourd'hui, enfin, le texte, quand vous l'écrivez, il y a trois types. Il y a le dialogue, la narration et la description. Ouais. Et du coup, c'est dur à faire le bon mix. Trop de dialogue, tu le dialogue, pas assez de description, on sait plus où ils sont, ils sont en train de parler, on n'en suit même plus. Trop de description, alors là, on se lasse. Donc, il faut y arriver au bon compromis, tout en libérant justement les émotions que j'ai pu vous évoquer avant. Ok. Comment est-ce que t'as créé ton univers à tout ça? Alors l'univers, c'est pas évident dans le sens où j'ai pas trop envie de spoiler. Non, mais pas spoiler. Non, mais ce que je veux dire, je vais répondre à ta question. Est-ce que t'es parti de, t'as d'abord créé ton univers et après t'as fait évoluer tes personnages intérieurs, ou est-ce que ton univers est venu des personnages qui évoluaient déjà et qu'en fait tu l'as façonné? J'ai pris donc en plus je voulais dire un truc tout à l'heure par rapport à la structure et au nombre de pages aussi que je pouvais écrire par jour. Du coup, j'en reviens à ça et après je vais passer à la bien suite. Sûr. Juste pour te dire, maintenant j'écris comme Stephen King, je me mets à un nombre de mots par jour, si possible, ou à la semaine. Enfin, c'est bête à dire. D'accord. Ça veut dire que je dois arriver à ce nombre de mots. Bon, okay. Après, je me force pas, ça veut dire que si j'ai pas envie d'écrire, je vais pas écrire non plus. Ouais. Donc, ça, c'est la première chose. Et en fait, au début, j'ai commencé par le méchant. Comme J.K. Rowling a fait, elle a commencé par Voldemort, et ben moi j'ai commencé par le gros méchant. Okay. Et je l'ai dessiné, c'est la première chose que j'ai fait, alors que j'ai pas dessiné, il ressemblait absolument à rien, c'était une méduse toute bizarre, je vous dis honnêtement, dégueulasse sur pattes. Et j'ai fait bon, ben pourquoi pas. Et j'ai dessiné le personnage principal, et j'ai fait moi j'adorais les Pokémon électriques. Et j'avais déjà pensé aux éléments, je trouvais ça super stylé. Et pour moi, le maître de l'air. Avatar, dernier maître de l'air, C'est pour moi c'était quelque chose qui m'avait bien plu, mais je trouvais que la combinaison n'y était pas, et j'ai trouvé que le bon mix avec Pokémon au niveau du monde, ça pouvait être hyper intéressant. Ouais. Ok. Et c'est pour ça que je et sur une civilisation et en étant réel sur quelque chose qui est purement terrestre quand même. Mmh. Voilà. Donc j'ai dessiné les régions au fur et à mesure. Au début, je vous le dis honnêtement, j'ai écrit les 3-4 premiers chapitres, je savais même pas comment allait s'appeler la région de Tilling. Je savais pas. Et puis un jour, je me suis dit, putain Rémi, il faut que tu passes à la phase de la planète. Enfin, je me suis pas dit, passe à la phase de la région, parce que ça veut dire quoi, une région qui vole comme ça, dans le système solaire, c'est débile. On a genre une espèce de crêpe toute bizarre où il y a juste Yalta. Non, j'ai carrément conçu le monde, j'ai fait les régions, puis après, je me suis dit, maintenant, t'as ta planète qui est faite sur PowerPoint, tous les bleds, tous les noms de villes, toutes les vallées, toutes les prairies, tous les territoires spécifiques, tu vas les mettre. Dès que tu les évoques, tu vas les mettre. Ouais. Les océans, les mers, tout. Tout ce qui est eau, justement, j'en ai pas. Genre, okay, d'accord. il y a peut-être d'autres secrets à révéler plus tard. À travers la vie de l'école, vous verrez bien qu'il y a peut-être d'autres choses à jouer. Ouais. Mais moi, ma question, donc du coup, c'est un peu, est-ce que c'est tes personnages qui font l'histoire, ou est-ce que c'est l'histoire qui fait avancer tes personnages? C'est génial cette question. Elle est tellement géniale, j'ai envie de te répondre 50-50. On n'est pas dans le sens question pour question qui veut gagner des millions. Je veux dire, c'est plus dans le sens où 50-50. Quoi. Ça veut dire, pour moi, je dirais non. En plus, pour moi, les personnages font avancer l'histoire. D'accord. Mais l'environnement y est pour beaucoup, parce que il y a des choses que j'imaginais pas, que j'imagine aujourd'hui au niveau de l'environnement. Ouais. Est-ce que t'as déjà posé des mécanismes scénaristiques, par exemple, je sais pas, moi je t'ai dit une connerie, mais tu sais que par exemple fin du tome 3, Tinning il va rencontrer un deuil et du coup ça va le faire avancer, est-ce que tu vois des choses comme je dis des énormes bêtises, hein, c'est sûrement que ça va pas se passer comme ça, et peut-être que j'ai tapé juste en plus, t'es dingue, est-ce que c'est des trucs comme ça que t'as déjà imaginé, ou est-ce que vraiment tu prends les choses comme elles viennent et en fait il y a des, pour moi l'univers entier est imaginé. Mais ce qui est ouf par rapport à ce que tu viens de dire, ça veut dire qu'en gros je sais où est-ce que je veux aller. Ouais. Après j'ai pas forcément de, enfin j'arrive à faire quelque chose. Je sais pas si vous êtes capable de le faire. Je sais pas, peut-être que c'est propre à moi ou quoi. Dès que je ferme les yeux, j'arrive à voir mes personnages évoluer dans ce monde-là. À des moments précis, quand j'écoute des musiques notamment. D'accord. Donc pour moi c'est des moments hyper importants. Mais par exemple si je te prends avant-hier, j'ai vu une scène en m'endormant où c'est dans le set et c'est vers la fin. Et je me suis dit, ouais, cette scène, ok. Et j'ai vu, et je sais comment les décrire les personnages. J'ai vu exactement. Ça me fait comme des flashs. Et je découvrirai cette scène et elle y sera dans mon bouquin. Et ça s'est passé avant-hier, donc c'est foutu ça. Du coup, t'écris de manière chronologique ou pas? C'est-à-dire que, est-ce que par exemple, tu peux écrire le chapitre 12, puis le chapitre 6, puis le chapitre 24, ou vraiment. J'ai essayé ça.
C'est super dur. Ouais, bah, je c'est sais, super, super dur. Ouais. Et bah, c'est, mais en même temps, c'est des fois, quand t'as une idée, tu te dis, ah putain, bah, je la note, comme ça, je la réutilise plus tard, tu vois. C'est, et bah, j'ai une page et demie sur l'ordinateur de mon boulot, c'est sur le chapitre, c'est sur le troisième tome. D'accord. Donc, je l'ai fait parce que j'ai eu une idée sur, généralement, on peut le faire sur les scènes de bataille, où on se dit, ouais, j'ai une scène de bataille, je vois comment ça peut se passer, t'as fond dans ton truc, t'imagines, tu vois comment il va se passer, tu te dis, ouais, pourquoi pas éventuellement, go. Là, je l'écris parce que du coup, ou sinon je fais des vocaux. Des fois, ça m'arrive de faire des messages ouais. Donc c'est cool, ouais. Okay. C'est pas mal que ça soit l'audio ou l'écrit après pour ouais, ouais, trucs, c'est surtout de pas perdre l'idée, tu vois. Vraiment. Moi, j'aurais trop peur de ça, de me dire, ah oh, putain, là, t'as une pure idée, tu l'as oublié. Ouais. T'as niqué, quoi, après. Ah, c'est clair. T'as écrit la fin déjà? Non. Non, pas encore, mais tu l'as prévu. Ouais, j'ai prévu. Ouais, j'ai prévu. J'ai prévu. Ok, trop bien. Comment ça se passe tout le processus de tu vois quand toi t'as écrit ton truc, ton machin et tout, que tu le livres, forcément ça va pas, tu vois, c'est obligé parce que c'est ton premier bouquin, que machin, donc il y a plein de choses à travailler. Qui est-ce qui te fait des retours là-dessus? Comment est-ce que tu les retravailles? Est-ce que tu prends en compte tous les avis? Comment ça se passe cette phase-là de, j'ai envie de dire, réorganisation, reformatation de... Alors ça, c'est dur. C'est la plus dure. Ouais. C'est la plus dure parce que quand on écrit un livre, on se dit je vais le passer et on va avoir des critiques. Et les critiques qu'on peut avoir, c'est des fois, ben ouais, ça me plaît grave. Et il y a d'autres personnes qui disent, ben moi, ça me plaît pas, il n'y a pas de ces descriptions. Ouais. Donc prendre l'avis des gens, ça va dépendre. Et après, on écrit aussi pour soi et on veut faire transmettre réellement ce qu'on veut communiquer au lecteur. Après, sur la phase de fabrication du bouquin jusqu'à la distribution, là, je vous le dis honnêtement, c'est juste un petit commentaire que je peux laisser. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Ouais. Et on peut avoir un premier bouquin n'est jamais parfait. C'est pour ça qu'il y a plusieurs éditions, même que ce soit tous les livres. Hein, aujourd'hui, il y a plusieurs éditions et un livre peut être amélioré. Et il y a énormément d'optimisation. Hein. Si je vous prends que ce soit Le Seigneur des Anneaux, que ce soit Divergent, Hunger Games, même Twilight, les premiers Twilight qui ont été écrits, à ce qui paraît, c'était pas très très bien exprimé. Et puis au fur et à mesure, ils font des améliorations et des optimisations. C'est normal, tu vois. J.K. Rowling, je crois qu'elle a écrit, elle a envoyé je ne sais combien de fois son manuscrit à des maisons d'édition différentes qui lui ont toutes fait un retour en fait. Du coup, en fait, le bouquin qu'on a à la fin, nous, entre les mains, il est déjà passé par je ne sais combien de corrections professionnelles et c'est ce qui fait qu'à la fin il marche, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un truc qu'il faut savoir aussi se dire que. Tu vois, même si c'est ton bébé, même si tu as mis plein de temps, plein d'énergie et probablement toute la meilleure volonté du monde, bah, t'es aussi dans un monde qui est pour toi du semi-pro et qu'il faut aussi savoir répondre à ces attentes-là. Ouais, et des fois faire un petit peu le deuil, je pense, de certaines choses qui peut être un peu des fois compliqué, je pense, pour les jeunes auteurs. Ah bah des fois ils peuvent dire qu'il y a un chapitre qui plaît pas ou des choses comme ça, hein, ça c'est sûr. Hein. On m'a déjà dit qu'il y avait des passages, bah il y a des passages que j'ai supprimés par rapport à la première version. Ah ouais. Ouais, ouais, d'accord. La première version, mais c'est plus suite à des avis que m'ont passé des collègues ou mon entourage sur la première lecture du premier bouquin, des 17 exemplaires que j'avais sorti en 2021. Ok. Il y a beaucoup de choses dans ce livre, il y a beaucoup d'idées, ça fourmille. Est-ce que tu t'as pas peur de pas arriver à tout exploiter? Hein, je pense aux familiers, je pense à tout ça par exemple qui sont à peine évoqués là-dedans, enfin dans le premier tome, mais qui du coup on peut imaginer que peut-être ils auront une importance pour la suite ou peut-être pas, tu vois. Et c'est tu vois, est-ce que t'as mis beaucoup de choses en te disant bah peut-être que je peux en laisser de côté ou tu comptes vraiment exploiter toutes les pierres que t'as mis là-dedans? Toutes les pierres. D'accord. Toutes les pierres. Ok. Ah non, mais là justement, j'ai mis. Pour moi, le premier bouquin, c'est vraiment l'entrée en matière dans le monde. Ça veut dire que je pouvais pas me permettre de commencer à détailler certaines choses parce que ça allait rendre lourd la lecture. Oui, bien sûr. Et du coup, je voulais la rendre plutôt légère et axée sur une chose. Donc de toute façon, on le voit par rapport au bouquin hein, sur son entrée à l'école. Ouais. Donc après, le deuxième va être fixé sur d'autres choses. C'est vrai que comme tu le dis hein, comme tu l'as évoqué hein, sur les différentes classes, sur les familiers, sur l'environnement, il y a beaucoup de choses. Mais il y a des trucs que je vais cerner par priorité en fait, tout simplement. D'accord. J'ai commencé à cerner par priorité ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Ok. Ok. Très bien.
Attends, Baptiste, t'as une ou deux questions sur le processus d'écriture, tout comme ça. D'habitude, non. Comme d'habitude. Tu poses les meilleures questions avant moi, en fait. Excuse-moi, la prochaine fois, je te laisse commencer. Je poserai mes autres questions après. On fera comme ça, c'est peut-être pas mal. Non, je pense que c'est très compréhensible pour les gens. Là, ouais. Ouais, il faut pas. Baptiste, il est aussi là pour nous arrêter quand on fait des trucs que les gens comprennent pas. Ça arrive souvent. Et du coup, il dit, oh, bah là. Genre des épisodes spéciaux jeux de rôle. Ouais. On a perdu tous nos auditeurs, les gars. Revenez sur Terre. C'est ce qui arrive assez régulièrement, mine de rien. Toi, Joanne, du coup, j'imagine que tu as lu ce bouquin-là, enfin, j'espère. J'imagine aussi que tu connais pas mal la suite de l'histoire, tout ça. Ton personnage préféré, c'est lequel ? Moi, je dirais Tailing. On va pas faire dans l'originalité. Ah. Ouais, vraiment, Tailing. Après, j'ai 2-3 petites infos pour la suite, oui. Ouais. Mais oui, je l'ai lu. Enfin, j'ai lu aussi le premier G, Faire. Et toutes les évolutions. Après, moi, j'étais vraiment pas fan au départ de tout ce qui est lecture. D'accord. Je lis pas beaucoup. C'est pas ton truc, quoi. Ouais, non, du tout. Et pourtant, le livre de Mimou, du coup, je l'ai lu en une semaine. Ouais. Enfin, je me suis vraiment plongé dans l'univers qui est passionnant. Ouais. Et du coup, après, les deux personnages, de toute façon, il y a deux personnages généralement qu'on. Ouais. Et toi, Clément, c'est lequel ? Moi, j'aime bien Magmo. J'aime bien Magmo. Mais après, tu sais, c'est ce genre de personnage là, moi, que j'aime bien, qui vont bien, tu sais, qui sont un peu loyaux, tu vois, où il y a un truc, un côté, tu sais, c'est ces personnages, moi j'appelle ça des personnages baromètres, dans un roman. Non, mais tu sais, en fait, t'arrives à, en fait, quand tu sais pas trop, tu sais, parce que souvent, t'as les personnages principaux, souvent, alors ils ont une période où ils sont torturés, où ils se perdent, ou machin, ou, tu vois, et c'est ce genre de personnage, en fait, moi, qui m'aide toujours à remettre, tu vois, l'échelle au milieu, tu vois, et à me dire ok, tu vois, et je trouve que c'est des personnages références qui souvent sont malheureusement un peu sous-exploités, mais qui sont toujours hyper intéressants, justement, je te dis, dans cette loyauté là qu'ils ont envers les personnages principaux, puis cette stabilité, tu sais, enfin, à la lecture du premier tome, tu sais tout de suite que Magmo, il va jamais leur la mettre à l'envers, et que finalement, quoi qu'il en soit, c'est le personnage qui va le moins nous décevoir, tu vois. Est-ce que c'est compréhensible ce que j'ai dit? Ouais, tu sais, ça se voit. Peu... Bah moi ça se voit que t'as lu complètement le bouquin. Ouais. C'est un peu, tu vois, il pourrait ressembler à Zoro dans One Piece, tu vois, ou à quelque part à Sam Gamgee dans Seigneur des Anneaux. Ouais. Tu vois, c'est ouais, un peu ce genre de personnage-là, ouais. Qui aide le héros à avancer et qui aide en fait le lecteur aussi à se référencer dans l'univers. Et je trouve qu'ils sont hyper importants. Ces personnages là, voilà, donc pour moi c'est Magmo, et puis il y a aussi, j'ai oublié, ça fait quelques semaines que je l'ai lu, mais tu sais, la personne qui rencontre Salomia, exactement, ouais, Salomia, qui elle m'intéresse plus par le ce qu'elle laisse entrevoir de l'univers, de son passé et de son futur, ouais, que parce qu'elle est vraiment, enfin tu vois, c'est plus l'idée du personnage que le personnage en lui-même là qui m'intéresse, parce qu'elle ouvre un champ de possible assez grand, et justement ses actions sont déjà intéressantes dans ce bouquin là et je me dis que si vraiment elle passe à l'action, effectivement, ça peut être pas mal de la suivre, quoi. Ouais carrément, voilà. Ouais, carrément. Bah de toute façon, après, j'ai fait le bon compromis, hein. Moi, je vous le dis honnêtement, Tilling, c'est purement moi, hein. Ouais. À travers ses répliques, à travers ses petites angoisses qu'il peut avoir, son excentricité à des moments, son côté un peu réservé, son côté je réfléchis à certaines situations. Bon, il est beaucoup moins stressé que moi quand même, hein, mais totalement. Si j'étais à sa place, je serais beaucoup plus stressé, ça c'est clair. Il a une petite pile électrique. Côté électrique, de toute façon, ouais, c'était obligé. Ça, parce que, en fait, c'est simple. Quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, Tilling, il va avoir quel élément? Et en fait, en posant ma veste, j'ai pris le jus, j'ai fait, ouais, c'est bon, ça va être l'électricité, ouais, ça m'a gonflé. C'est quoi, du coup, le deuxième personnage qui ressort souvent dans les personnages préférés? Le chef de l'école? C'était Salomia. Ah ouais, Salomia, ouais. Ah ouais. Salomia, ouais, c'est vraiment la personne dont on parle, ouais. Ouais. Après, pour une lectrice, c'était Duro. D'accord. Mais après, ouais, parce que Duro est particulier aussi, mais vu qu'il est, il est beaucoup plus introverti, ouais, mais il est très intellect, par contre. Donc, ouais, mais c'est, moi, c'est des personnages que j'aime pas beaucoup. C'est ce genre là tu sais, c'est un peu la Hermione Granger, tu vois, tout ça, qui ont beaucoup de connaissances et qui vont apporter des éclairages théoriques sur l'histoire, mais au final je trouve qu'ils la font rarement avancer, enfin c'est cet archétype là de personnage que j'aime pas, c'est pas le personnage de Hermione qui est très sympathique, mais c'est vrai qu'en fait, quand tu prends, enfin moi j'ai lu pas mal d'histoires, j'en ai inventé quelques-unes aussi, donc tu sais, tu prends vite ce recul de se dire, tu vois, tel personnage il appartient à tel
tel archétype, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, et c'est vrai que là, dans Tinning, c'est aussi pour ça que je dis que c'est un bouquin que j'aurais aimé avoir quand j'étais adolescent. C'est que ça, c'est hyper bien dessiné et que ça aide vachement à la compréhension de comment est construite une histoire. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant. Mais je pense que ça marche aussi pour, tu vois, les gens, typiquement ce que tu disais, Joanne. Moi, j'aime pas lire, tu lis ça. Bah, en fait, non, ça, c'est fluide, ça coule tout seul. Et t'as vraiment. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. En tout cas, je le conseille autant pour les gens qui aiment lire que pour ceux qui aiment pas trop. Ouais. Et c'est assez rare d'arriver à trouver des bouquins qui sont entre les deux comme ça, quoi. Ah ben, merci. Ça fait plaisir. Tu vas me faire pleurer, Clément. Il faut arrêter. Ouais, n'en fais pas trop non plus. J'ai commencé à invoquer de la foudre. Hein. Ouais. Mais par contre, ouais, du coup, on attend le deuxième tome, quoi. Ouais, ben, du coup, le deuxième tome, ben là, c'est en rédaction. Pour vous dire, je suis vraiment, vraiment dedans, quoi. Ouais. Vraiment, vraiment dedans. Ouais, ça veut dire que, en l'espace de une semaine et demie, je passais de 11 pages à 38 pages parce que okay. J'étais. Et ça va vite. Ça va vite dans le sens où, bah, l'univers est dessiné et puis, du coup, ouais. ça va beaucoup plus vite. Donc, et puis, je suis dedans et j'ai les premiers retours et. J'ai une collègue qui m'a appelé de mon boulot et qui m'a dit mais Rémi, mais ce que t'as écrit c'est impressionnant, ça m'a redonné goût à la lecture, ouais. Mais écris le 2 vite, quoi. Elle m'a dit je vais demander à tout le monde de te le prendre parce qu'il est vraiment génial, ça fait plaisir. Et quand je l'ai vu, elle m'a parlé Tilling, Magmo, Duro, Salomia, mais qu'est-ce qui va en être. J'ai dit mais je vais te spoiler l'histoire, ça sert à rien. Ouais, mais j'ai trop envie de savoir la suite. Et bah ouais, mais je peux rien te dire pour l'instant. On a envie de savoir, hein. Ça motive, hein. Ça motive. Donc moi je suis grave content, je me dis putain, et je pensais après voilà, j'ai pas fait j'ai lu plein de choses avant de me lancer dans l'écriture. Pendant que j'écrivais, j'aurais pu rester sur la première phase et l'éditer en 500 exemplaires avec une belle couverture. Il aurait jamais marché, le bouquin. Ouais. Il aurait jamais marché. Il y avait trop de choses qui manquaient. Trop. Tu te rappelles de la première couverture? Ah ouais, la première couverture. Je sais pas si vous l'avez vue ou pas, non, mais ouais, laisse bien. Tomber. C'était un PowerPoint. J'avais pris un dessin au crayon à papier de l'école, mais j'avais fait dessiner à quelqu'un, mais ça ressemblait pas. C'était pas non plus ouf. Et j'avais mis des logos que j'avais insérés sur une page PowerPoint, en fait, les logos élémentaires. Donc, et c'était ça. Sur un fond blanc. Ouais, donc c'était peut-être pas suffisant. Ouais. Ouais, c'était ouais. Donc là. Effectivement. Et là, on n'est pas sur le même rang du tout. Okay. Non, c'est très bien. On a un vrai bel objet avec notamment toute la dont je parlais tout à l'heure, là, toutes les annexes avec l'explication des différents pouvoirs de tout ça à la fin. Une trentaine de pages qui sont aussi sur une autre qualité de papier, sur une autre forme d'impression, et c'est vraiment agréable. Et la carte aussi, enfin, sur le rabat. Ouais. C'est vrai, c'est vrai que on a un joli objet, donc ça c'est cool, carrément. Ok, très bien. Est-ce que j'ai fait le tour de mes questions? Je crois. J'en suis pas sûr, laissez-moi aller vérifier sur ma petite conduite. Oui, ma question c'est où est-ce qu'on peut le trouver là pour les gens qui nous écoutent, qui ont envie de le lire? Alors là où vous pouvez le trouver pour l'instant, c'est principalement sur le 42. Ouais. Donc ça veut dire, là pour l'instant, il est au Carrefour Market de Saint-Jumalmont, il est à Super U Lorme, il est à la Fnac de Rouen, okay. Il va rentrer au Super U de Savigneux. Et sur le 43, justement, au niveau de la distribution, donc là je suis en train d'enclencher les différentes démarches. Et sinon, c'est auprès de moi directement. D'accord. Donc les gens peuvent me contacter. Sur l'Instagram qu'on mettra, nous, sur notre page. Pour exactement. Partager, donc, exactement. Okay. Très, très bien. C'est génial, en tout cas, de m'aider là-dessus aussi. Et puis, de toute façon, là aujourd'hui, c'est moi, je veux me lancer. Et puis. Tu plaisantes, c'est des projets hyper intéressants. On rencontre trop peu. On en avait rencontré quelques-uns quand même, nous. Hein. Pendant le temps de chimère, ouais, tu te rappelles. On s'était bien marré. si. Finalement, en fait, il y a plein de gens qui écrivent comme ça et qui le disent pas ou qui sont durs à rencontrer. Et ben, ça fait toujours plaisir de les mettre en avant parce que c'est pas une activité facile. C'est hyper chronophage pour tellement peu de retomber derrière que. C'est ça. Et puis au début, quand j'ai commencé à écrire, je vous le dis honnêtement, il y a tout le monde qui m'a dit ouais, mais c'est du rêve. Ouais. T'as 40 pages, t'as 60 pages, mais t'en seras jamais à la fin, t'y arriveras jamais. On a beaucoup de choses comme ça où, et en fait, quand j'ai parlé à Simon Alba, donc mon cousin que tu connais bien. Faut pas le citer, même si j'ai cité, mais de toute façon c'est pas important. J'aime bien citer des blazes. Et il m'a dit mais putain, t'as eu une persévérance du feu de Dieu, mon gars. Mais à quel moment un gars, tu peux sortir un bouquin sachant que tu bosses, c'est même pas ta profession. Il m'a dit franchement, là-dessus je te respecte. Je pensais que t'allais pas le faire. Il m'a dit j'y aurais jamais cru. Tu m'en parlais, mais pour moi c'était ouais, il le fera. Ouais. Quand il va lui tomber une dent, ça veut dire que ouais, 65 balais encore, ça va être un bout de papier qui va traîner sous l'armoire. Mais il m'a dit quand je vois le bouquin et tout, il a halluciné. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair, c'est très très bien. On va passer à la dernière rubrique des trois questions, parce que toi Mathis tu vas devoir nous laisser pour aller retrouver ton activité professionnelle préférée. Ceci dit, c'est pas impossible que la fin de ton projet, et on n'irait pas finir l'enregistrement là-bas.
Non, putain. J'ouvre quand on arrive. Au Black Pearl. Au Black Pearl. Ah bah non, franchement, moi je suis d'accord. Sûr, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. En plus, on ouvre les Happy Hour à partir de ce soir. Allez. Bon, bah en tout cas, on ira faire un tour à la table. On ira faire un petit Happy Hour. Ah oui, parce que t'as jamais vu quelqu'un danser sur une des tables là-bas, mais tu vas être premier, tu vois. Tu vas voir. J'en ai vu plein, c'est ça. Que faire des French cancan là-bas, ça va être quelque chose. C'est clair. Allez, donc du coup, la rubrique des trois questions. On est désolé, chers auditeurs. Je sais que vous auriez aimé entendre parler Rémi et Joanne pendant des heures et des heures de ce projet-là, mais ne vous en faites pas, on les réinvitera dès la sortie du tome 2 où on pourra justement parler du tome 1 pour de vrai. Parce que ce qu'on peut pas faire pour le moment. Mais quand le tome 2 sera sorti, on va spoiler le tome 1 avec un grand plaisir. Et ceux qui vont dire putain, il me faut les deux, j'ai pas lu le 1. Et bah, tant pis pour ta gueule. Ça va être ça en plus. Du coup, la rubrique des trois questions, la première question, c'est quoi le dernier truc que t'as lu, écouté ou maté? C'est pas obligé que ce soit de la qualité, c'est quoi pour toi, Kiki? C'est la dernière vidéo de Squeezie. Avec Billy, Jessie et Maxime Biaggi. Ils font les exposés. Ouais, ouais. Je trouve qu'ils sont complètement cons. Ouais, ils sont complètement cons. Ils sont complètement cons. Billy est incroyable, incroyablement con. Il est trop fort. Et tu sais, il a ce personnage où tout le monde le prend pour un débile alors qu'il est trop fort, tu vois. Mais genre, ouais, j'aime bien Billy. Et puis Maxime Biaggi, moi, c'est le summum de l'humour, quoi. Ah oui, summum de l'humour zen, toi. Ah bah, moi, j'adore ça. Je comprends. Ah bah, moi, tu sais, l'absurde et la gênance poussée au maximum, c'est quelque chose qui me parle, quoi. Je comprends. Très bien. Rémi, c'est quoi, toi, le dernier truc que t'as lu, écouté ou maté? Dernier truc que j'ai maté en termes de film, par exemple? Ouais, ou en termes de vidéo, ou en termes de parce que j'ai vu un film tout pourri hier, c'est Action et Vérité sur Amazon. Aïe, aïe, aïe. Sur Prime. J'ai pas du tout aimé, mais sinon. Ah bah non, mais Action et Vérité, parle-nous de ça. La question, c'est le dernier truc, donc. Ah bah du coup, franchement, à déconseiller fortement. J'ai pas du tout aimé. C'est du gore pour du gore, tout simplement. Très bien. Un gars complètement fou, militaire, qui décide de défoncer des gens autour d'une bouteille qui tourne. Voilà. Je pensais que ça allait être autre chose. Et pour toi, Action Vérité, une bouteille, t'étais parti sur. Moi, c'est un peu osé, là, mais. Joanne, c'est quoi? Moi, du coup, le dernier livre que j'ai lu, c'est Le Loup de Wall Street. Ah, pas ouais. Mal. D'accord. Et sinon, le dernier film, c'est. Je me suis retapé les Hunger Games. Ok, il y a, ouais, il y en a un nouveau qui va sortir là bientôt, j'ai vu. Non, tu suis pas du tout toi, Kik. Je pensais que tu suivais un peu la question. Un nouveau Hunger Games. J'ai entendu parler des Animaux Fantastiques, mais du 4, qu'il y a eu un nouveau Hunger Games qui a été annoncé. Ouais. Peut-être que j'ai dit une connerie. Ça peut être. Enfin, moi, j'ai pas du tout aimé les deux derniers. Mais moi, j'ai relancé ça. Le premier, il est terrible. Ah, le premier. Ah ouais, le premier, il est dingue. Le premier, cool. Bah, c'est du Battle Royale remasterisé. Hein. Ouais, mais les costumes et tout, c'est stylé. Ouais, grave. Par contre, ouais. Stylé l'univers. Et puis, Jennifer Lawrence aussi, elle joue tellement bien. Je suis d'accord. Franchement, ouais, il est bien. Coup de cœur pour Jennifer Lawrence. Ouais, grave. Enfin, un coup de cœur, mais juste cœur. Si tu nous écoutes, on te salue. C'est bon, c'est la déconnade, en fait. Ok. Ah bah moi c'est The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom là. Ah ça, yes, au fait, alors ça donne quoi? Bah, depuis que c'est rentré dans ma vie ce qui paraît, il est mouf. Ça mange un tiers de mon temps, quoi. C'est incroyable, vraiment très très bien. Moi j'avais déjà fait le premier, enfin Breath of the Wild, je l'ai fait trois fois. Donc j'étais déjà plutôt... Ah oui, t'as un peu ça, en fait. Tu l'as fait trois fois. Oui, mais je l'avais fait une fois, en fait, pour le découvrir. Je l'ai fait une deuxième fois en sachant comment ça se passait, tu vois, parce que tu ne vis pas la chose de la même façon, tu vois. Ouais. Et une troisième fois, quand ils avaient sorti le mode difficile, tu vois, pour... Oh, s'il y a le mode expert qui sort sur les deux, laisse tomber. Donc non, là, ouais, je suis sur Tears of the Kingdom à mort, quoi. Ça construit des véhicules, ça cherche des sanctuaires. Tu as le dernier? De faire le dernier. Non, c'est pas le dernier, c'est le dernier ou c'est le dernier? C'est le dernier, c'est le dernier. T'as fait l'avant-dernier? J'ai fait l'avant-dernier. Ouais. Ok. Ouais. C'est celui-là qui fait trois fois. D'accord. Ouais. Qui était déjà long, qui faisait bien 150 heures et Tears of Kingdom, justement, au niveau de, j'ai vu par rapport au fait qu'on pouvait créer des véhicules ainsi de suite, et au niveau de l'univers, il est beaucoup plus grand que Breath of the Wild. Ça n'a rien à voir. Ah ouais. Ah ouais, c'est trois fois plus grand en fait, parce que t'as une map souterraine, t'as une map dans les airs, et puis surtout, en fait, l'interaction que tu peux avoir avec l'environnement, elle est multipliée par 100, quoi. Ah ouais. Tu peux déjà qui a été ouf. Ouais, j'avais kiffé. C'est clair, maintenant tu peux tout faire. Et c'est, c'est dingue. Vraiment, c'est incroyable. Je pense qu'il y a absolument. Enfin, j'allais dire, il n'y a aucune limite. S'il y en a, mais il y en a très peu, tu vois, sur Internet, les mecs, ils construisent des foreuses, tu vois, pour aller miner du diamant avec des... Pas du tout le but du jeu, tu vois. Normalement, ça, c'est vraiment le truc... C'est vraiment... Non, c'est incroyable. Vraiment très, très bien. Et puis, l'histoire... Ils se sont fait chier à écrire une petite histoire, c'est pas mal, ça. Ce qui n'y avait pas du tout dans Breath of the Wild. Et puis, les sanctuaires, c'est trop bien. Non, mais allez-y, c'est un super bon jeu.
Moi, je conseille, je conseille à tout le monde. C'est ça où je suis pas un tiers de ton temps. Je me dis, ouais, il est vraiment. Mais on m'a dit qu'il était super, super. Ouais, il est super, il est super chronophage. Ouais. La dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois, mon kick. J'ai eu le permis, bonsoir. Allez là. Avec les papiers, la voiture, tout qui suit. C'est là. Génial. Trop bien. Je ne vous conseille pas de faire des papiers pour une voiture. je ne vous conseille pas de prendre la voiture en quelques mois. Oui, restez pas sur les trottoirs donc. Faites gaffe, je fais des gros drifts. Restez le furieux, on est là. Trop bien, excellent, voilà. Génial, bah félicitations. Merci beaucoup. Bah, bravo, c'est chouette. Bravo Mathis. Rémi, toi la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois, c'est quoi? Bah moi du coup c'est quitter mon boulot pour une relation amoureuse. Donc ça c'est un truc que je ne ferai jamais. Ah. C'était une erreur. J'aurais jamais dû mettre les applauses. Excusez-moi. Merci. J'ai chaud. C'est la vie. C'est vraiment chaud. Oui, du coup, ouais, bah, écoutez, ça s'est mal passé alors, tu me disais. Ouais, ouais, exactement. C'était une mauvaise décision. Ouais, mauvaise décision, quitter un boulot pour une relation. Donc, ne pas faire et je ne referai plus. C'est pas grave, la vie est longue, t'auras plein d'autres boulots et plein d'autres relations. C'est clair. J'espère qu'elles seront pas juste dans le même endroit. On va éviter. No sexing job, hein. Ça c'est sûr. Hein. C'est très clair. Joanne, toi, c'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois? Je dirais. Ben moi, du coup, si j'ai quitté mon travail, enfin, j'avais fini mon alternance, mais ça s'est bien passé. fin août dernier, et du coup, j'ai tout quitté, je suis parti à côté de la Suisse. Pour trouver un travail. Okay. Du coup, j'ai trouvé en début d'année, là c'est tout ça s'est accentué, donc nickel. Trop bien. L'histoire est bonne. Surtech. Trop bien. Surtech. Et toi, mon clé? Moi, c'est Bruno Monde Festival. On a été invité à rencontrer des artistes en loge, à faire des petites vidéos à l'arrière. On avait un open access à tout le festival. C'était vraiment génial. Ils nous ont fait confiance là-dessus. C'est vrai. Et on les en remercie de ouf, quoi. Parce que c'était trop bien et que c'est à travers ce genre d'initiative que nous on va réussir à grossir aussi de notre côté et c'est l'objectif à terme. Donc merci encore le Bruno Monde Festival qui eux ont fait le choix de nous faire confiance et on espère que d'autres festivals s'en inspireront. On m'appelle Garorock. Garorock, Nelfest. Nelfest, je meurs. Stylé. Ouais. Ouf. Après le problème c'est que Nelfest on prend une accréditation pour tester les bières. Ouais. Pas forcément Nelfest, la musique, tu vois. Combiner les deux. Ouais. On y va avec des coudières, des genouillères. Mathis, ta recommandation culturelle, toi, qu'est-ce que ça va être? Ben PLG. Voilà, c'est un rappeur. L'ancien, le rappeur éliminé par Shai dans les éliminatoires de la première saison de Nouvelle École. Voilà. Et je suis dans le rap game, mec. Il vient de sortir un petit EP de 5 titres, incroyable. Allez, l'ancien. J'ai oublié le nom. Il y a un feat avec Limsa Dolnay. J'adore Limsa Dolnay, il a toujours des pantalons incroyables. Et JPK. Ah, donc vraiment, cette EP, c'est pour moi en fait. Ouais, il est pour toi. Super, je remercie Ben PLG de m'avoir écrit un album alors. Voilà, foncez écouter, c'est incroyable. Et, ok, c'est sorti cette semaine? C'est sorti il y a bien un mois même déjà. Ok, allez, ça fait longtemps que je suis pas venu. Ben PLG, on fait éclater les streams pour lui. Let's go. Trop bien. Rémi, toi, ta recommandation culturelle, qu'est-ce que ça va être? Une recommandation culturelle. Au niveau de tous les domaines? Ouais. Pas particulièrement. D'accord. Même un lieu, ça marche. Vraiment, hein. Un resto aussi, un resto que t'aimes bien. Ah, parce que j'étais sur une musique et elle me disait ouais, ça va être compliqué. Du coup, une recommandation culturelle en ce moment, ça me laisse du temps pour réfléchir. Moi je suis full thérapie taxi au niveau de la musique, ouais, au niveau des films, je suis full fantastique. Full taxi et... driver. Donc thérapie taxi driver. Que des taxis. Ok, Joanne, toi t'as quelque chose pendant que Rémi réfléchit? Ouais, c'est. Mon vrai référence culturelle. Si je dirais un personnage de série, je dirais Tom Michel B. Ouais. Charisme. Les Peaky Blinders. Ouais, je pense les Peaky Blinders. Ok, très bien. Peaky Blinders, t'as déjà regardé toi? Ouais, j'en suis. Mais j'ai pas fini encore. Ouais. J'ai jamais maté ça. Série comme ça. Qu'est-ce qu'il fume? Qu'est-ce qu'il fume? Qu'est-ce qu'il fume? Qu'est-ce qu'il boit du whisky? Je te jure. J'ai relancé moi à 19 ans quoi. Ah, sinon, un artiste. Ah oui, mais je vais me prendre ça après. Orelsan, ouais, un truc.
Très bien. Ou un acteur, Edward Norton, dans ce cas-là, hein, si vous voulez partir sur des. Edward Norton, qui est pas mal dans Glass Onion, là, le dernier film oui. de la série je avec Benoît Leblanc. C'est quel c'est, si, c'est la suite de À couteau tiré avec oui, mais oui, mais le, l'acteur. C'est, bah, c'est celui qui joue le, l'organisateur de la Murder Party. Ah, de Fight Club. Ouais, Fight Club, exactement. Ah, exactement, Fight Club. Ouais, Fight Club. Voilà, bon, c'est bon, j'ai. C'est ça. C'est et qui ça, joue dans Wanted aussi, avec Angelina Jolie. Ah oui, okay. Quand il faut tirer à côté du jambon. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais, très bien. Le petit effet dans la balle. Quoi. Pour la, ça, la différence. Ce week-end, là, bah, j'étais avec des potes, on jouait à la pétanque. Et il y avait un pot de fleurs au milieu du terrain de pétanque, c'est un grand pot de fleurs en pierre. Et j'étais, putain, j'ai l'impression d'être dans Wanted. C'est... Il fallait faire passer la boule sur le côté et qu'elle revienne derrière pour toucher le. Voilà, j'avais l'impression de revivre cette scène-là. Après, une référence culturelle au niveau des jeux vidéo, pour moi, il y a le jeu God of War qui est simplement énorme. Le dernier est pas mal. Ouais, le dernier, bah justement, moi je me suis acheté la PS5. Bon, c'était par rapport à Hogwarts Legacy. Où il est super bien. Et après, au niveau du dernier, il y a un film aussi que j'ai vu avec Liam Hemsworth qui est vraiment énorme. C'est The Most Dangerous Game. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Où c'est une chasse à mort dans une ville. Et franchement, il est ouf. Ok. Donc okay. Voilà. Là, c'est en train de revenir. Donc, du coup, je pourrais vous en citer plein. Mais tout à l'heure, j'étais en train de bugger. Pas de soucis. Donc, moi, je vais partir sur le film de Donjons et Dragons qui est sorti là il y a pas longtemps avec Hugh Grant qui joue le. L'un des personnages principaux de cette histoire. Alors qui, bah, en fait, je sais pas si ça peut plaire à tout le monde, je pense que oui. Mais il y a des trucs où, genre, vraiment, t'as l'impression que c'est une vraie partie de jeu de rôle, tu vois. Typiquement, à un moment, ils se débloquent un objet, tu vois, et ils essaient d'exploiter l'objet au maximum pour monter un plan hyper compliqué pour que ça réussisse. Ça, c'est typiquement un truc que tu vois dans une partie de jeu de rôle. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. C'est vraiment sympa. Ça y va tout seul. C'est un blockbuster popcorn, quoi. Que je te dise de plus, c'est ça. Mais c'est deux heures de. C'est pas deux heures perdues pour une fois, ça change un petit peu de. Non, mais tu sais, habituellement, ouais. Les blockbusters, t'as vite deux heures perdues, quoi. Là, pour le coup, ça fonctionne bien. Non, c'est cool. Moi, j'ai bien aimé, je le conseille. Vraiment, petite reco culturelle. Et il y a aussi un film en ce moment, j'ai une petite reco aussi, qui ressemble à. Je sais pas si vous l'avez vu, le film Edge of Tomorrow. Avec Tom Cruise, oui, c'est, ouais. C'est d'ailleurs. Il revit tous les jours la même journée. C'est inspiré d'un manga qui s'appelle You Need This Kill, qui est absolument incroyable. Je conseille de lire ce manga. C'est l'adaptation de You Need This Kill. Ah, ok, c'est carrément l'adaptation, ça veut dire que c'est exactement la même histoire. Mais c'est sûrement la meilleure adaptation de manga qui existe d'ailleurs. Ok. Et du coup, Edge of Tomorrow, justement, j'ai vu un film hier sur Prime ou sur Netflix. C'est Happy Birth Dead, du coup. Et c'est exactement la même histoire. Yes. Et du coup, c'est juste que c'est la petite référence que j'ai là-dessus. J'adore les films comme ça. Okay. Il y a Tomorrow War aussi. Qui est un peu dans le même genre, avec Chris mais c'est pas ouais. ils font pas la même journée, mais c'est juste que c'est dans un monde autre et il est plutôt sympa, ouais. Ok. Très bien. Bah, je vous remercie. On va s'arrêter là, comme ça on finit l'émission avec Kik. Si tu nous laisses 2 minutes, tu me laisses 2 minutes pour conclure. Peut-être 2 minutes. J'ai 1 minute 30, alors c'est parti. On va s'arrêter là pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous conseille d'acheter donc Tiling et la découverte du monde élémentaire. Vous pouvez contacter Rémi Robert sur Instagram pour qu'il puisse vous le filer. Puis sinon, vous le trouverez d'une autre manière. Encore une fois, un super bouquin pour les gens qui aiment lire autant que pour ceux qui ne l'aiment pas. À offrir pour votre petit cousin de 14 ans qui va avoir son anniversaire cet été. Ça me paraît être le cadeau idéal. Et puis voilà quoi, c'est la fin de cette émission Autant Couleur. On se retrouve sur toutes les plateformes de streaming audio, Spotify, Deezer, tout ce qui finit par musique, qui finit par podcast. On se retrouve aussi sur les réseaux, Instagram, et puis voilà quoi, Twitter, Facebook, sur FM43 tous les mardis à partir de 16h, et bien sûr sur YouTube. Qui fait des grandes, qui vole toutes les audimates des autres plateformes, dis donc. Ça, c'est marrant. Ça y est, les gens se sont rendu compte qu'on existait. Et la brasserie du digital maintenant. Et la brasserie du digital, on est chez eux, n'hésitez pas à les rencontrer en fin d'épisode avec eux. Vous pouvez trouver toutes nos références là-bas. En tout cas, on espère que vous avez apprécié l'émission. N'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est grâce au bouche à oreille qu'on va réussir à grandir et continuer à nous développer. Et d'ici là, on se retrouve jeudi prochain ou vendredi prochain à 6h du mat pour une nouvelle émission. Cœur sur vous, des bisous. Merci Rémi et Johan de votre merci à vous. Présence. Merci. Au revoir. Ah, c'est vraiment, on rentre dans un autre univers, quoi, pendant un petit moment, quoi. Quand on arrive le casque, ça... c'est bizarre. Hein. Mais même le fait d'être concentré, d'être en mode à fond. Ah, je meurs de chaud. Bon, bah, c'était cool. Ouais, très bien.